Germain, Areola dans les buts, c'est un match contre Tottenham. Important pour Areola contre la Roma lors du premier match. Allez, c'est parti pour la dernière grande répétition du Paris Saint-Germain avant le trophée des champions samedi prochain contre l'AS Monaco. Troisième et dernier match sur le sol américain pour les coéquipiers d'Edinson Cavani. Un nul contre la Roma et il y a eu une défaite contre Tottenham. Un bon précis servi, Higuain. Dybala, Higuain, Higuain pour le face-à-face et ça va aller au fond. L'ouverture du score pour la Juventus de Turin. Higuain qui est au tout départ de l'action, il fait l'effort pour récupérer ce ballon. Petit relais avec Dybala. Et il y a eu aussi un travail de Mandzukic, on aura l'occasion de le voir là. Il est intouchable, regardez Thiago Silva. Il ne peut plus défendre, il est pris. Kimpembe est également pris. Areola battu. La Juve ouvre le score en toute fin de première période. À la justesse technique du buteur Gonzalo Higuain. 24 buts en Serie A la saison dernière. Et pour le moment, il est toujours à la jouer. Là, c'est passé pour Di Maria. Et l'égalisation du Paris Saint-Germain. Festival de Di Maria. But de Guedes. Un partout. Italien. Regardez-le. Bon travail avec Kurzawa. Di Maria. Fin de centrée. Et il va au bout de son duel. Guedes est servi. Plat du pied. Il n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Rien à dire, c'est bien joué. Di Maria confirme. Il confirme ce que l'on disait en première période. Il est en forme, André Di Maria. Et il le prouve ce soir. Emery a décidé de le laisser sur la pelouse pour la seconde période. Et il vient faire la différence et offrir ce ballon. Très mauvais ballon de Kurzawa. Regardez Moïskine, il ne repart pas extérieur. Il insiste, très bonne passe dans le jeu, il n'a quasiment pas touché le ballon, si ce n'est au pied il y a quelques secondes. Et il est battu.